Bonjour, bonjour à vous qui nous suivez sur tv5monde.com, toujours avec Mario Fiems, le patron, le directeur du salon Équipe Auto, tous les deux ans à Paris, salon sur l'équipement automobile. Et vous avez présenté donc cette année un certain nombre d'innovations en la matière. Par exemple, une peinture qui empêche l'habitacle d'une voiture de trop chauffer ou au contraire d'être trop froid, c'est ça? Ça a été primé dans le cadre des grands prix de l'innovation internationale d'Équipe Auto. Et on a récompensé, le jury des journalistes spécialisés automobiles ont récompensé la société Monopole qui a développé plus qu'une peinture, un vernis qui permet en fait de renvoyer le rayonnement qui produit de la chaleur dans le véhicule. Donc tous les infrarouges sont renvoyés grâce à ce véhicule et ça a beaucoup de vertus puisque outre le confort lorsqu'on rentre dans sa voiture, on n'a plus cette impression réelle de fournaise, mais aussi on utilise moins sa climatisation pour rafraîchir son habitacle, donc des gains en termes d'économie d'énergie, puisque rappelons-le, la climatisation consomme beaucoup de carburant. Un gain environnemental, puisque moins de projection de particules polluantes, et puis bien sûr le confort de l'automobiliste et des passagers. Ce Grand Prix a été remis à quelle autre innovation ? Alors on a récompensé beaucoup de fabricants cette année. Le groupe Bosch a reçu un prix pour un smartphone qui permet de détecter les pannes. Dont on vient de parler. Dont on a déjà parlé. Hutchinson pour son système anti-vibration. Le groupe SAM Outillage a également été récompensé pour une clé. Alors là, on est plus dans le domaine du réparateur, économie d'effort, praticité, ergonomie des outils grâce à un système pneumatique qui permet de déceler n'importe quel écrou sans solliciter l'énergie humaine du réparateur. Donc, avant tout, et puis même, je dirais, l'automobiliste qui a un problème de crevaison et qui doit démonter sa roue, grâce à ce système pneumatique, il peut démonter sans peine la roue de son véhicule. Donc énormément d'innovation, aussi bien pour l'utilisateur final, le conducteur, que pour le professionnel dans son garage. À plus long terme, vers quoi tendent les équipementiers pour la voiture? Est-ce qu'il y a une tendance qui se dégage des innovations et de ce que préparent surtout les équipementiers? Alors, les grosses tendances, c'est évidemment l'électrification des véhicules qui oblige les constructeurs et les équipementiers à envisager et reconfigurer complètement les véhicules. Ça aura des conséquences importantes sur l'entretien de ces véhicules. Mais je dirais plus profondément, ce qui va impacter l'utilisateur, le conducteur, c'est tout ce qui est développé autour de la communication. Donc le véhicule communicant dont on parle depuis de très nombreuses années, mais grâce au développement des technologies de communication sur Internet, le véhicule est un prolongement, un vecteur d'information, un média. Vous restez connecté avec l'environnement du véhicule et c'est intéressant en termes de sécurité, en termes d'information. Ça a aussi évidemment des conséquences économiques et commerciales puisque votre véhicule est connecté et connectable et donc vous êtes récepteur aussi d'informations de la part de partenaires commerciaux. Merci Mario Fiems d'être venu dans le JT des Nouvelles Techno sur TV5Monde. Merci à vous.